Salut c'est Vincent Salut c'est nous On vous présente aujourd'hui une partie de Far Away, un jeu de Johan Goupy et Corentin Lebras, illustré par Maxime Morin et édité par Catch Up Games. C'est un jeu pour deux à six joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. Nous avons découvert ce jeu en tout début d'année, euh, lorsque nous étions conviés à une après-midi jeu chez nos amis Christophe et Marie Odile, que j'embrasse par la même occasion si ils nous regardent. Et tout de suite j'ai apprécié ce jeu, un petit succès hein, de l'année 2023. On en a pas mal entendu parler. Je crois qu'il s'en est vendu beaucoup de boîtes. Et donc je m'en suis procuré une par la suite. Nous avons joué de notre côté une autre partie à deux joueurs avec Lou, que j'ai Remporté, hein. ouais. mais là aujourd'hui en vidéo, j'imagine que Lou euh, va gagner, <laughs> comme souvent. Alors on va voir. Hein. J'ai quand même mes chances. Euh, ce Faraway a beaucoup de qualités. Euh, déjà, il est pas très cher. On a une petite boîte facilement transportable euh, et des règles très simples et un petit twist au niveau du décompte final des points, euh, qui est plutôt bienvenu. Euh, alors. Qu'est-ce qu'on a comme matériel Eh bien en fait on a des cartes région ici que j'ai bien mélangées, donc je ne vais pas le refaire ici en, en vidéo. Et puis nous avons des cartes sanctuaires. Voilà. Alors, Lou, on va distribuer trois cartes région à chaque joueur au début de la partie. Donc je les distribue face cachée. Ça va constituer notre main de cartes. Je te laisse prendre tes cartes. Voici les miennes. Autre qualité du jeu, les icônes sont extrêmement euh, faciles à comprendre. Alors tout d'abord ici euh, en haut à gauche des cartes, on a le temps d'exploration. Et euh, donc euh, bon, ben bah voilà, je peux les classer là en ordre croissant. Ensuite on a une icône qui représente une exploration de jour ou une exploration de nuit. Et puis euh, en bas des cartes, et eh bien on a des points de victoire conditionnels. Alors là, c'est l'icône des points de victoire. Ici, deux points de victoire euh, par icône euh, indice que je posséderai euh, dans mon exploration à la fin de la partie. La partie va se jouer en huit tours, et à chaque tour, on va jouer une carte région devant nous. Il sera important de bien aligner les cartes région. De gauche à droite. Alors, on va euh, nous euh, constituer deux rangées de quatre, hein, mais euh, les cartes seront vraiment alignées pour le décompte final. Et euh, voilà. Donc, euh, Lou, je pense qu'on peut commencer d'ores et déjà. Hein, tu es d'accord Ouais. Et euh, chaque tour est, est composé de trois phases. Première phase, l'exploration d'une région. On va jouer simultanément et on va jouer une carte de notre main face cachée devant nous avant que tous les joueurs révèlent leurs cartes au même moment. Alors tout d'abord, on dispose autant de cartes région que de joueurs, plus une, au centre de la table. Voilà, ce seront les, les cartes qui seront euh, accessibles euh, à la fin du tour, vous allez voir ça. Ok, et on choisit une carte. Euh, D'accord, alors on choisit une carte. Est ce que je vais faire... Je regarde un petit peu les cartes qui sont dans la table. Je vais choisir celle-ci. Alors Lou, tu as joué celle-là. On révèle en même temps. Et puis eh bien, on va les placer donc de gauche à droite. Alors là, c'est notre première carte. Donc Lou, tu peux laisser pour le moment la tienne ici. On va les, les expliquer. Tu as choisi une carte avec un temps d'exploration 68 supérieur au mien. D'ailleurs, hein. moi j'ai joué un temps d'exploration de 11. Et cette carte-là, en fin de partie, te rapportera 24 points à condition que tu aies euh, dans ton exploration, dans tes huit cartes jouées, eh bien cinq icônes. Euh, Pierre ou minerai Ouais, ouais peut -être pierre peut-être. Peut voilà. Alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'on va résoudre, euh, on va décompter les points en fin de partie dans le sens inverse. Donc il faudra que Lou ait ces 5 pierres dans les cartes qui suivent, en fait. Hein, euh, Puisqu'on va révéler les cartes dans le sens inverse. Voilà, donc très bien. Et puis moi, j'ai joué cette carte-là, temps d'exploration 11. Et cette carte me rapportera 2 points de victoire par icône indice dans mon exploration en fin de partie. Voilà. Alors, à ce moment-là, Lou, euh, on passe à la phase 2, trouver un sanctuaire. Alors, cette phase est ignorée au premier tour, parce que en fait, euh, cette phase consiste à ce que chaque joueur dont la carte jouée euh, présente un temps d'exploration supérieur à sa carte précédente pioche un nombre de cartes sanctuaires, ici, égal à 1 plus le total d'indices, d'icônes indices, que l'on possède sur nos cartes. Mais là, évidemment, comme c'est la première carte jouée, on ne pioche pas de carte sanctuaire. Enfin, on termine l'exploration. Et ça se joue là dans l'ordre croissant des temps d'exploration des cartes jouées. Donc, je vais commencer et avoir euh, eh bien, la primeur sur le choix d'une nouvelle carte ici. Euh, je vais. Alors, je vais choisir. Eh bien, cette carte-là. Et Lou, c'est à oui. toi de choisir... D'accord. On retire du jeu la carte région restante. Et puis, on révèle à nouveau trois cartes. Alors, les parties sont courtes, une autre qualité du jeu. En ce moment, on est pas mal sur des, des jeux simples. Et aux parties courtes, hein, on aime bien ça en ce moment avec Lou. Euh, là, euh, je, je, pour le moment, euh, je n'ai pas très envie de jouer à des gros jeux, comme ouais, on dit. Ouais. Voilà, donc euh, bah, c'est très bien. Moi j'aime bien les petits jeux aussi. Allez, c'est parti, nouveau tour. Euh... Mmh. Nouveau tour, d'accord. Mmh. Je vais. Je vais jouer cette carte-là. Lou, tu as d'ores et déjà choisi une carte. On révèle. On la place à la droite de la carte jouée précédemment. Et euh, eh bien Lou, alors déjà on peut regarder ta carte. Elle te rapportera en fin de partie 4 points par icône pierre à condition que tu es euh, déjà visible au moment où on va révéler cette carte en fin de partie. Eh bien trois icônes ici ananas, euh, ananas c'est ça Non, non, c'est pas, pas ananas. Euh, <laughs> Et je ne sais plus le, le, nom des, ou... le, le nom des icônes, je ne l'ai plus. Je vais regarder dans le livret de règles. Euh, Est-ce que c'est indiqué d'ailleurs Oui, c'est indiqué. Oui. oui, voilà. Alors, on a Pierre, Chimère ou Chardon. Un chardon, oui. Ouais, c'est euh, trois icônes Chardon. D'accord. Et puis, moi, j'ai joué ici un temps d'exploration de 43 qui présente une icône Pierre, donc. Et celle-ci me rapportera 10 points par ensemble de cartes rouge, verte, jaune et bleues en fin de partie, puisque vous voyez que les cartes ont également des couleurs. Celle-ci est bleue. Et euh, ma précédente carte était verte. Alors, on passe à, à la phase numéro 2, trouver un sanctuaire. J'ai joué une carte d'un temps supérieur à la carte précédente, je vais donc récupérer une carte sanctuaire plus mon total d'indices, mais je n'ai pas d'indice, hein, on ne compte pas celui-ci. Hein. Donc je vais récupérer une carte sanctuaire et on aura la possibilité de la jouer euh, lors de la phase suivante. Toi, Lou, euh, ce n'est pas ton cas, tu as joué un 57 après un 68, donc tu ne récupères pas de sanctuaire. D'accord Ok. À ce moment-là, eh bien, on passe à la phase numéro 3. Euh, eh bien, je vais, comme j'ai joué un 43, je suis prioritaire par rapport à toi qui as joué un 57, je vais choisir une carte. Je vais choisir, eh bien. Euh... <laughs> Pas évident. Peut-être, je regarde les cartes que j'ai en main. Je regarde ma carte sanctuaire. Uh -huh. Je vais choisir cette carte-là. Ok, moi je prends celle-là. D'accord. Alors à ce moment-là, euh, je pouvais jouer aussi une carte sanctuaire. Je vais la jouer. Celle-là, je la joue en dehors de ma zone d'exploration. Et c'est une carte verte. Hein. Elle compte comme une carte verte. Et chaque carte verte en fin de partie va me rapporter un point. D'accord. Ok. Voilà. Cette carte est retirée du jeu. On va en replacer trois. Et puis voilà, vous hein, voyez comment se déroule le jeu. Extrêmement plaisant, notamment à deux joueurs là. Nous, on avait joué à quatre. Ça avait très bien fonctionné également. Mm -hmm. Mais euh, à deux, euh, c'est top. Voilà. Allez, nouveau tour. On a trois cartes en main chacun. Euh, je vais jouer. Eh bien. Ouais. Vais jouer. Je vais jouer cette carte-là. Je la révèle. Lou révèle sa carte également. Tu as joué un chiffre 30. Moi, un 58. Donc là, et eh bien Lou, euh, c'est toi. Euh, D'abord, je vais récupérer un sanctuaire, moi, puisque j'ai joué un 58 au-dessus du 43. Et j'ai un icône indice. Donc je vais prendre une carte de base, plus mon nombre d'indices. Je vais prendre deux cartes. J'aurai le choix. C'est pas mal les petites cartes sanctuaires et d'avoir le choix. Parce que, en fin de tour, en fait, on ne peut en jouer qu'une parmi celles qui se trouvent en, dans notre main. Et toi, Lou, eh bien, non, euh, bah non, bah non. tu ne trouves pas de sanctuaire parce que tu as mm -hmm. joué un 30 qui est inférieur au 57 précédemment joué. Donc, dans ce cas, eh bien, euh, c'est toi qui commence à choisir. Ton 30 est inférieur à mon temps d'exploration de 58. Tu as choisi une carte ouais. je, je peux voir je, je me suis Carte verte, 4 points, ok, conditionnel, hein, avec une, un symbole de pierre, d'accord. Et moi, je vais jouer. D'accord. Euh, je vais prendre... Alors, j'arrive pas bien à me concentrer là. Je vais prendre peut-être... Je vais prendre celle-ci. Voilà. On défausse cette carte-là. Alors, moi, je peux jouer une de mes cartes. Je vais le faire bien entendu et je vais jouer et euh, eh bien je vais jouer celle-ci et malheureusement l'autre je dois la replacer sous le paquet des cartes sanctuaires. Voilà. Très bien, on révèle trois nouvelles cartes. Voici. Ok. Alors c'est cartes rouges et bleues. Euh, très bien. Alors c'est oh, parti. Je vais jamais réussi à faire euh, ce que je veux là. Ah, c'est pas évident, hein. euh, Ok, je regarde un peu. Ah, c'est pas simple. Je vais jouer cette carte-là. C'est bon, toi tu as déjà choisi. Ouais. Je révèle. Alors, j'ai placé un 7. Bien, avec pense. une icône euh, chimère et une icône chardon. Chardon. Ah non. Chardon. Un chardon. Un chardon, oui. Et puis toi, tu as joué un temps d'exploration de 50 avec une icône de pierre qui te rapporte 4 points de victoire en fin de partie par carte verte dans ton exploration. Alors là, euh, donc moi je, vais ré... je ne récupère pas de carte sanctuaire Bonjour, car oui. mon temps d'exploration est inférieur au précédent. Et toi, par contre, tu t'en récupères une en effet. T'as pas d'icône indice non. dans ton exploration pour le moment, ok. Eh ben, très bien, on peut les descendre un petit peu pour les séparer de, du marché de cartes. Euh, D'accord, maintenant, moi j'ai joué un set, j'ai la primeur de choisir une carte. Je vais prendre... Je vais prendre... Euh, celle-ci quand même. Attendez. Ouais, je vais prendre celle-ci. Euh, ouais, on va faire ça. Et toi, Lou, je te laisse. Ok. Que, donc, tu joues une carte Sanctuaire Ouais. Qu'est-ce que c'est Une carte qui n'a pas de couleur. Hein. Ça, c'est une carte sans couleur, grise, mais qui t'apporte une icône pierre. Qui peut être utile, hein, parce que. Ouais, pour ça. Ouais, pour pour ça, ça. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ok, d'accord. Euh, très bien. Donc, on a trois cartes en main. Trois nouvelles cartes se proposent. Ok. Alors, on arrive à la cinquième carte déjà, hein, et je vous rappelle que on en joue que huit hein, dans une partie. Donc c'est très, ça peut être, ça peut aller assez vite. Euh, alors, je vais jouer quand même celle-ci. Voilà. Ok, ici. Donc, je vais reculer un petit peu. Alors. J'ai joué un 9, tu as joué un 59. Moi, j'ai joué un 9 qui est supérieur au 7 précédent. Donc, je vais récupérer une et une, deux cartes indices. Euh, sanctuaire, pardon. Et toi, Lou, tu récupères deux cartes sanctuaires. Ah, t'as un icône indice maintenant? Ah oui, ici. D'accord. Ok. Très bien. Alors maintenant, on termine l'exploration. Moi, j'ai joué un 9 qui est inférieur à ton 59. Donc, je vais avoir la primeur de choisir une carte. Je vais d'abord regarder mes cartes sanctuaires. Ouais, c'est pas mal, d'accord. Et je vais choisir une carte qui sera. Euh, qui sera, eh bien. Hum. ça. Qui sera quand même, euh, admettons, euh, celle-ci. Ouais. Et je joue une carte sanctuaire. Après, ce sera à toi, à toi de choisir. Je vais jouer cette carte... Hum, attendez moi Remarquez, je regarde en main ce que j'ai. Euh, J'hésite. J'hésite. Euh... <laughs> je vais quand même jouer celle-ci. Voilà. 5 ouais, points bruts. Fin de longue. partie. Et je vais jouer cette carte sanctuaire. D'accord, attends on n'a pas vu là. Ok, tu as joué quoi, celle-ci euh, ouais. Une carte verte avec une icône de pierre. Et moi j'ai joué euh, cinq points bruts, hein, sans, sans couleur. Ok, euh, bah très bien Lou, euh, on a choisi nos cartes déjà. Ouais. Eh bien on révèle trois nouvelles cartes. Moi ouais, j'aime beaucoup ce jeu là et vous allez voir le décompte final est sympa. Allez sixième carte à jouer. Qu'est-ce que je joue là? Oui, uh -huh. je ça, non? Vous regardez aussi les cartes qui sont au marché. Est-ce qu'on a envie d'être le premier à, à, à les sélectionner? Bon. Moi, je vais jouer cette carte-là. Voilà. Je suis premier quand même. Ah, t'as joué un 16, d'accord. Moi, Je voulais celle-là. Okay. Donc finalement, tu fais pas deux rangées de 4, toi Lou, tu les alignes, c'est ça euh, Ouais. Ouais, ok. Mieux, Alors, euh, eh bien, je récupère combien de cartes sanctuaires Alors, une de base parce que j'ai joué un temps d'exploration supérieur à la carte précédente. Et j'ai un indice simplement, donc je récupère deux cartes. Et toi Lou, moi je prends pas. T'en prends pas parce que ton 16 est inférieur à ton 59, évidemment. Hein. Alors, je vais regarder mes cartes. Ouais, d'accord. Ok, et maintenant, Lou, oh, c'est toi qui choisis la... en premier. Ouais, je prends celle-là. T'as pris laquelle, mon ah, montre-moi Je voulais surtout pour les, les symboles. Pour les symboles, d'accord. Et neuf points éventuellement si, à la suite de cette ouais, carte, tu arrives à placer euh, deux icônes chimères. Ça, je ne suis pas sûr. Hein. Alors, euh, moi, en ce qui me concerne, je vais jouer laquelle Je vais prendre laquelle plutôt. Alors. Euh... <laughs> D'accord. Je prends laquelle. Je vais prendre... prendre... Hmm... Celle-ci. Ouais, ouais. celle-là, finalement. Ouais, ouais. Ok. Et je joue une carte sanctuaire. Avant de terminer le tour, euh, je vais... Eh bien, carton disparaît, mais pas de Je vais jouer celle-ci quand même. Voilà. Et je rejette l'autre sous le paquet. Ok. Allez, c'est parti. On choisit une carte. Euh... Je vais prendre, je vais jouer celle-ci. Voilà. Alors, c'est vraiment une carte basique, hein, euh, de temps d'exploration 3 qui me rapporte 4 points bruts. Ce sera, ces 4 points garantis. Et toi, Lou, tu as joué un temps d'exploration 39 avec une icône, euh, eh bien, chardon et une icône pierre. 9 points à condition de pouvoir présenter deux icônes chimères à la suite. C'est notre combien carte? La septième? Mmh. 4, 6, 7. Ouais, ce sera euh, compliqué non, 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 pour celle non, Je fais ça pour les symboles. Hein. Pour les symboles. D'accord. Alors, euh, j'ai joué. Ouais, alors moi je vais pas prendre de carte sanctuaire par contre. Oh là là. Et euh, c'est à moi de choisir une carte en premier. Alors laquelle euh... Ouais, j'aurais oh pas non, de toute manière. J'aurais pas de toute manière, donc... Euh... Je regarde un petit peu. Ouais, J'ai pas vu ce que tu avais joué comme carte sanctuaire, mais ouais, c'est normal. C'est à moi de choisir. Euh, laquelle je prends Attendez voir. Je vais un petit peu. Bref. Carte bleue, carte verte. Les pierres me rapportent. Bon, allez, je vais prendre celle-ci. Okay. Et c'est à toi. Tu choisis une carte et tu joues une carte sanctuaire. Bon, j'ai joue une carte sanctuaire déjà. Non, tu choisis une carte d'abord. Oh, bon. Ouais. bon. Alors, euh, donc euh... celle-ci, c'est une carte sans couleur et qui va te rapporter en fin de partie un point par carte jaune et verte. Voilà, voilà. Hein. Et euh, tu choisis une carte. Je prends une carte. Euh... Je sais pas trop. Hein. Hésites. D'accord. Allez. Et ça va être le dernier tour non, bah, déjà. Il n'y a, hein. a pas besoin de révéler finalement. Il n'y a pas besoin de révéler Bah c'est le dernier tour. D'accord, ok, ouais effectivement. Alors dernier tour, la... quelle carte je vais jouer euh, Ça c'est deux. Points. Ah bah là, bah, je suis sûr que je ne vais pas gagner. Hein. Ça, est trois ah bon Pourquoi Ah, voilà. ça, est ah mais points, points. Il manquait un symbole quoi. Est-ce que j'ai... Ouais, ah, bah, j'ai pas pris la bonne carte, c'est dommage. Hein. Moi aussi, il va me manquer euh, des symboles. <laughs> ouais, c'est pas évident sur huit cartes, euh, c'est euh, c'est chaud hein, quand même. Hein. Alors, je vais jouer en tout cas. Ouais, je pense euh, une carte. Bah, ça, ça revient plus ou moins au même, je crois. Je vais jouer celle-ci. Ça revient. Ah euh, bah du coup, si ça revient au même. Attendez, je, je compte. Ça, ça me vaut deux points. Ça, ça me vaut deux points aussi. Donc, je vais plutôt euh, jouer celle-là. Je ne sais jamais. Voilà. Ok. Donc, je joue un 46. Tu joues un 19. Et euh, ça me rapporte un petit indice quand même supplémentaire. Ça, c'est pas mal. Alors, euh, Lou. Tu prends euh, Ouais, moi, j'en prends 1, 2, 3. 3 cartes sanctuaires, car euh, bien une de base, puisque mon temps d'exploration est supérieur à la carte précédente, et euh, deux icônes indices. Donc trois cartes sanctuaires, ça peut peut-être me permettre de marquer des points. Et toi, Lou, est-ce que tu en prends Non, tu n'en prends, prends pas. Ensuite, bah on ne récupère pas de cartes lors du dernier tour, c'est pas nécessaire, hein, puisque là, la partie va, va se terminer. Par contre, je peux jouer une de mes cartes sanctuaires, il n'y a pas de problème. Alors... Hmm, dommage, ça, c'est pas vraiment une icône dont j'avais besoin. Une carte rouge. Non, de toute manière... Euh... Oh, tu peux me donner ça ou pas Ensuite ça, une pierre. Ça, c'est pas mal ça, pierre. Et ça, une... un point par carte rouge et verte. 1, 2, 3, 4, 5. Et un point par pierre, euh, j'en ai combien de pierres J'en ai qu'une. Oui, mais faut compter je... que celle-là, il y a une pierre dessus, et donc ça fait déjà de base deux points. Ouais, ça fait deux points. Mais euh, j'avais pas besoin de pierre Non. Donc je vais prendre celle-ci, que je pose ici, euh, je repose les deux autres là, et euh, Lou, c'est la fin de partie, bon, on peut défausser euh, nos deux cartes hein, restantes, et on va compter. Alors, comment on compte C'est bon, t'as laissé dans l'ordre hein, ah, euh, oui. ouais, Il aurait mieux valu que tu fasses pendant la partie plutôt qu'à la fin. Mais... Ok, d'accord. Euh, très bien. Donc là, Lou, pour le décompte final, on retourne toutes nos cartes face cachée, enfin les cartes région en tout cas. Et après, on va les compter une par une, en commençant par la dernière. Voilà, j'ai raté ma partie. Hein. T'as raté ta partie Ah ouais là. Ah bon Tu veux dire que j'ai une chance de l'emporter aujourd'hui en vidéo Ouais, peut-être. Est-ce que... Non, est... mais il manquait un ananas, enfin un chardon. Ça faisait 20 points. Un chardon. Euh, ok. Bah écoute, on va euh, compter d'abord tes points, si tu veux bien alors. Ok. Tu révèles la première carte. On va prendre le... Bloc de score hein, qui est fourni dans la boîte du jeu. Alors vous voyez, ça c'était notre euh, précédente partie à deux joueurs et, et euh, vous voyez, je vous montais pas, hein, j'avais gagné cette, cette partie-là. Donc allez, c'est parti. Lou, Vincent. Alors cette première carte, Lou te rapporte deux points par icône Chardon. Là, il n'y a pas de condition particulière. Tu as une icône Chardon d'ores et déjà euh, disponible et est-ce que tu en as sur tes cartes sanctuaires Eh bien non. Donc c'est deux points. Tu es d'accord ouais, ouais. Ok, carte suivante. Alors, celle-ci te rapporte 9 points à condition d'avoir deux icônes euh, chimères présentes et visibles. Bah, non. Alors, il euh, n'y en a pas. Vous mmh, voyez, et ouais. donc les icônes qui éventuellement se trouveraient sur les cartes face cachée, eh bien, ne sont pas présentes. Hein. Donc, pas de points pour cette carte Ouais. Carte suivante. Alors, celle-ci. Te rapporte deux points. D'ailleurs, euh, j'en profite pour euh, faire un, une petite aparté sur les illustrations, qui sont très chouettes, je trouve, hein, les illustrations de Maxime Morin. Moi, j'aime bien. Euh, c'est assez euh, original, inventif. Là, euh, on est dans une, une espèce de, de monde de science-fiction, un petit peu d'une planète. Euh, euh, D'ailleurs, euh, que, que nous dit euh, l'histoire du jeu Parce que c'est vrai que je m'étais pas trop intéressé jusqu'à présent, mais par delà la mer des brumes sommeille le mystérieux continent d'Alula. Ah oui c'est ça oui on est sur le continent d'Alula donc une planète euh, mystérieuse deux points par icône euh, chimère t'en as combien une ici déjà et c'est tout, tout donc deux points ah, je te dis que j'avais fait une partie euh... carte 2, zéro points okay. ensuite ensuite ça ça fait zéro point aussi alors euh, la condition hein, pour marquer trois points par carte jaune et rouge, c'est d'avoir trois icônes chimères et une icône pierre en jeu. Ouais. Euh, ouais, t'as une pierre, t'as une chimère, t'as même des pierres là-bas encore, mais c'est pas suffisant. Hein, ouais, ouais. ouais. Donc pas de points pour la, pour cette quatrième carte. Ouais. Ok. Ensuite. Cinquième carte. Quatre <laughs> euh, points par carte verte. À condition d'avoir deux, deux icônes euh, <laughs> chardons. C'est pas des ananas, c'est des chardons, mais ça y ressemble. Alors les chardons, tu les as ou pas euh, ouais. ouais. Un, deux ici. Donc quatre points par carte verte. Carte verte actuellement visible. Il y en a une ici. Ouais, c'est ça ouais. euh, Ta carte sanctuaire. Donc quatre points. C'est tout Ouais. D'accord. Ensuite. Ensuite. J'avoue, c'est pas terrible pour le moment. Ah, hein. ouais. Deux points par carte pierre. Euh, deux points par icône, Pierre. Pardon, sans condition. Tu as une icône ici. Deux, trois, quatre, cinq. Ah, une carte à dix points, Lou. C'est ça Ouais. Ok. Allez. Là, il manquait un symbole. Malheureusement. Ah, malheureusement, condition d'avoir trois chardons pour avoir quatre points par Pierre. Euh, les chardons, t'en en as combien J'en ai deux. Un, deux. D'accord. Pas de ça points. Un point en plus. Ah ouais. Et là, euh, 24 et points à condition d'avoir 5, euh... 5 pierres. Est-ce ouais. que tu les as euh, Ouais. Ah, tu les as 24 points. Alors, les pierres 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 24 points quand même, Lou, pour ta dernière carte. Heureusement. Ça remonte tu... un peu ouais. quand même. Euh, qui... Alors, maintenant, on va compter les points de tes cartes sanctuaires. Alors, ici, non, non. Et là, un point par carte verte et jaune 1, 2, 3. 3 points. D'accord ouais, très bien. Alors, ce qui te fait au total, 4 et 4, 8, 18, 18 et 24, 42 et 3, 45. Ouais. Ouais, c'est moins bien que ton précédent score. Ouais, mais manque un symbole, quoi. Je me suis pas trompé, 18 et 24, 42 et 3. Ça me 45. 20 points de plus avec un petit en un petit plus, là. Allez, j'ai hâte de compter mes, mes points. Je pense que j'ai une chance. Ah ouais, là, une Première chance. carte. Alors, cette carte-là, euh, 10 points à condition d'avoir deux pierres et une chimère. Je les ai pas hein, du tout, euh, ni là, ni dans mes cartes sanctuaires qui, d'ailleurs, ne m'apportent aucune icône. Hein. Euh, donc, zéro pour la première carte. Euh, pour l'instant, tu es en avance. Ah, mmh. c'est <laughs> deuxième carte. 4 points bruts. Voilà, donc euh, j'aime bien les points bruts. Il euh, n'y a pas de <laughs> condition, euh, tu es sûr de les avoir. Ensuite, ici, <coughs> pardon deux points par chardon, j'en ai un ici et c'est tout, égal deux points. Carte suivante, cinq points bruts. Oh ouais, ah ouais, quelle stratégie là Stratégie de pleutre. <laughs> Ensuite, carte suivante ici, euh, pas de points sur cette carte que des icônes. Est-ce que ça me sera utile réellement Je suis même pas sûr. Euh, donc zéro point pour cette cinquième carte. Carte suivante ici. Alors, à condition d'avoir trois chimères. Et oui, malheureusement, je, je les ai pas. Je <laughs> les ai pas. J'en ai qu'une. Ouais. j'ai. Bah oui. Donc j'ai pas, j'ai pas assuré à ce niveau-là. Donc pas de points pour cette carte. Pour l'instant, c'est pire que moi. Pour l'instant, c'est pire que toi. Ah ouais, ça. Mais finalement, j'ai peur. Hein. Ensuite ici. Alors cette carte. Excusez-nous, nous avons été interrompus par le livreur de sushi. On va pouvoir <laughs> se régaler, loup, après la partie. Euh, eh bien, me rapporte 10 points par ensemble de cartes rouge, verte, jaune et bleu, et jaune et bleu. Alors, j'en ai combien là actuellement J'ai une bleue, une verte, une rouge, une jaune, il n'y a pas de problème. Tout. Une bleue, une verte ici. Et mes cartes sanctuaires, malheureusement, ne me permettent pas d'avoir un deuxième ensemble. Donc c'est 10 points avec cette carte, ce qui est déjà un peu mieux. Pour l'instant, des devant voilà, et dernière carte, 2 points sans condition par carte euh, par euh, icône indice. pardon J'ai 1, 2 icônes indices. Ah, mais je vais gagner, en Donc 4 points pour cette carte. Et on va compter désormais mes cartes sanctuaires. Mmh. Ici, 1 point par carte rouge et verte. et eh bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1 point par carte bleue, 6, 7, 8, 9. 1 point par carte verte 10 11 12 13 13 2 points par symbole pierre 13 15 okay. ouais. et 5 points ici 20 points pour mes cartes sanctuaires si je me suis pas trompé Lou, tu as suivi un euh, petit peu le décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je te laisse recompérer. Je compte 19, mais euh... Ah, non. ah tu comptes 19 compte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Euh, non, je 7, non. 8, 9, 10, non. 11, 12, 13, 14, euh, 15, 16, 17, 18. Non, j'ai compté 20, j'ai compté 20. C'est bon, c'est bon, regarde. Je compte 18, 1, 2, 3, 4, 5, ah, oui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. Et 20, et, coup, et 20. 20. Ok. Ce qui me fait. Moins que moi. Euh, ah bon ah non, je sais pas. 6 et 5, 11. Je crois que gagné de 1 point. Et 10, 21. Et 4, 25. Et 20, 45. Ah bon 45. Égalité, Lou Qu'est-ce qui ouais. se passe en cas d'égalité bah, Le ]ité. joueur qui possède la carte avec le plus petit temps d'exploration l'emporte. Euh, C'est oh, fou, ça il y a égalité. Ça. 9, 10, 11. 21 et 4, 25 et 20, 45. Une égalité parfaite, Lou. Mais j'ai la carte avec le temps d'exploration numéro abusé 3. Tu fais des clics de <laughs> Et donc, je reporte cette partie, c'est la règle, Lou, je suis désolé. Euh, mais... Je ne m'attendais pas à ce qu'on oh, arrive à une égalité des... parfaite. On a fait des parties nules, par contre. Oh, là, oh. Bah, 45 points à 45, c'est vrai que, bon, quand oh. on voit que j'avais fait un 71 en fait, points que... sur la gare. Je pense que c'était plutôt 19. Hein. Après Lou, euh, évidemment le score dépend beaucoup euh, des cartes qui, qui tombent hein, euh, parce que vous voyez euh, on a utilisé très peu euh, de cartes euh, du paquet. Donc il euh, y en a il y en a pas mal. Ouais, moi, euh, Elles ont tout un temps d'exploration euh, différent. Il me manquait un chardon comme ça là et j'avais 20 points en plus. Et puis je pense Lou, aussi que si je l'ai emporté aujourd'hui c'est parce que eh bien ça s'est peut-être pas entendu ici en vidéo mais tu as le hockey ah, depuis ouais, le début ouais. de la partie. <laughs> C'est pas, ouais. pas facile de se concentrer quand on a le hockey. Un hockey qui ne veut pas passer, qui est coriace. Ah ouais. Voilà. Donc, Lou, euh, j'avoue, c'est une petite victoire pas très glorieuse en ce qui me concerne. Euh, je vais quand même l'entourer. Voilà pour dire que c'est moi qui l'ai emporté parce que sinon on saura pas mais ça me fait euh, donc deux victoires d'affilée Lou eh ouais, ouais. Ouais, à deux joueurs donc ouais, euh... non, là, ça, la première d'accord mais là là je sais pas trop si on peut compter ça comme une victoire hein, et... qu'est-ce que tu penses Lou de ce petit Farouet euh, bah c'est sympa hein, ça marche bien très sympa ouais ça marche bien effectivement moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, comme je vous disais pour ses différentes qualités Partie courte, règle simple, petit twist euh, de décompte des points. Bah gros, Asse... gros twist même, enfin, c'est euh, l'aspect. Gros du twist, jeu. Ouais, tout à fait. Euh, mais quand euh, j'avais entendu parler de ce jeu sans, avoir, sans y avoir joué, je pensais que c'était justement euh, compliqué de jouer euh, en... Comment dire, en anticipant sur le fait que le décompte se passe dans l'ordre inverse à la fin. Mais finalement, c'est plutôt ouais. simple. Ouais, ouais. Parce que pas, quand vous jouez une carte conditionnelle comme celle-là. Faut juste se rappeler qu'il faudra faut, jouer après d'autres symboles. Faut juste ça. se rappeler qu'après euh, cette carte, il faut euh, obtenir les, les trois symboles, quoi. Alors, soit sur nos cartes sanctuaires, euh, soit. Euh, bah voilà, bah oui, ou sur les cartes qui suivent, quoi, en fait. Hein. Donc, ça, ça va, ça se joue bien euh, sans. Euh, se faire mal au crâne quoi en fait ouais. donc je comprends je comprends euh, le, le succès de ce jeu euh, sorti euh, l'année dernière il y a quelques mois de cela et euh, je suis bien heureux de l'être procuré merci encore à Christophe et Marie Odile de nous l'avoir euh, fait euh, connaître euh, c'était un après midi jeu pendant laquelle on avait joué aussi à 3 dice un petit jeu de Roland Wright Write faut dessiner les châteaux ou faut dessiner des châteaux, dessiner <laughs> des châteaux ouais. <laughs> Et puis on avait joué à sur les traces de Darwin, un jeu très familial, très sympa aussi, ouais. qui était pas mal. Mais des trois, j'avais préféré nettement ce petit Faraway. Euh, voilà, donc ça me tenait aussi à cœur de, de vous le présenter. Si vous ne le connaissiez pas, eh bien, je pense que ça peut faire quelques adeptes. Merci à toi Lou pour cette partie. Ouais. Euh, J'espère que tu vas réussir à faire passer ton hockey avant de manger ah les voilà, sushis. Ouais. Ah, ouais, sinon. <laughs> euh, histoire de ne pas te planter une baguette euh, dans la gorge, hein, quand même. Et puis, nous, on vous retrouve très très vite. Euh, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi euh, ce, cette partie de Far Away. Et puis, à bientôt, d'ici là. Connaissons-nous et de l'autre société. Salut. Salut. <laughs>